Yo tout le monde, c'est ici, c'est aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur SonyVegas Pro. Je crois bien que c'est le 3, c'est comment insérer plusieurs écrans, car vous voyez que là, je mets un clip par-dessus de l'autre, ça ne mettra que lui. Du coup, je vais vous montrer comment en insérer plusieurs. Alors, soit vous le mettez en dessous, soit vous ne le mettez pas. Enfin, mettez-le où vous voulez. Alors, vous couperez, car le clip ne fait pas la même longueur. Si vous préférez couper, ben, vous coupez. Hop, voilà. Hop, et là, vous voyez que, du coup, là, comme lui, et comme celui-là est au-dessus, ben, ça va être lui qui tourne, voilà. Fortnite. Alors, vous allez cliquer sur panoramique recadrage zoom. Alors, soit vous cliquez là, ou soit vous cliquez, vous faites un clic droit, et vous cliquez sur là. Hop. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est soit vous dézoomer, voilà. On peut faire ça. Hop, et regardez, là, on voit les deux. Voilà. Regardez, ça ferait comme ça, là. Mais là, c'est assez moche. Du coup, on va recadrer. On peut le mettre en haut, voilà, comme vous voulez. Voilà. En fait, il faut le bouger en fonction, voilà, regarde. Hop, là, on peut... on peut faire pareil pour lui. On va dézoomer, on va agrandir. Hop. Ça va être plus tôt, voilà, on va le mettre en haut, là. Et là, ça nous crée deux écrans. On peut encore en rajouter, hein. On va mettre mon intro. Hop, mon intro. Hop, voilà. Hop, on met la bande son. Vous pouvez le mettre par au-dessus, c'est pareil. Hein. Hop, regardez. On n'est pas obligé de le mettre en dessous. Tant qu'on fait ça, ben, ça marchera. On va le mettre en bas. Hop, voilà. What is the problem? Ok, bah du coup, je crois qu'il faut le mettre en dessous à chaque fois. Ah non. Non, c'était juste bon, en fait. Ah, voilà. Hop, là. On va regarder. Hop. Alors, l'intro est juste là, du coup on va avancer quand même un peu. Hein. Hop. Alors, sans enlever l'autre. Ouais, je pense qu'il faut le descendre. Là. Ouais, faut le descendre. Faut le mettre à chaque fois en dessous. Ouais, faut le mettre à chaque fois en dessous, sinon ça enlève l'écran. Un écran. Voilà, vous voyez que ça marche. Ben, c'est aussi idéal quand on joue à Fortnite et vous voulez mettre l'écran de vos potes, voilà. C'est un tuto qui allait assez vite car il est assez simple et je le manie très bien. Alors voilà. Bon, ben, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je dis bye bye.